aujourd'hui, on va faire un jeu pour bien comprendre c'est quoi la différence entre deux mots. Puis ces mots-là, on va les comprendre un petit peu plus tard. Alors, Noah, peux-tu aller me chercher un mot puis le mettre sur le tapis, puis on va aller voir c'est quoi son nom. Puis les autres vont essayer de deviner. Non, pas ça. OK. Puis c'est quoi ton objet qui va avec ça? Une feuille. Alors, tu es allé chercher une feuille. OK. Et puis, toi, Mathis, qu'est-ce que tu vas nous apporter, toi? Tu peux mettre l'objet avant puis voir s'ils peuvent deviner c'est quoi. Qu'est-ce qu'il a apporté, lui, Mathis? De l'herbe. On va mettre herbe sur le tapis, sur le petit symbole. C'est bon? OK. Toi, as-tu quelque chose pour bouger que tu pourrais nous faire deviner? Sarah Mo, ah, c'est Léo qui va y aller pour commencer. Léo, tu vas enlever tes bottes juste pour faire ça, pour mimer. OK. Viens nous mimer ça. OK. Sauter. Ouh! Est-ce que c'est ça qui est écrit? Oui. Oui! Ouh, c'est bien. Très bien, Léo. Merci. Maintenant, tu vas remettre tes bottes. OK. Là, Sarah Maud, toi, tu peux être un mot qui bouge ou un mot qu'on peut toucher un petit peu. Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Un mot qui bouge. Un mot qui bouge. Qu'est-ce que tu nous as apporté, toi? Un chat de bois. Un chat de bois. OK. C'est bon. Maintenant, Noah, qu'est-ce que tu vas nous apporter maintenant? Peut-être que tu pourrais bouger cette fois-ci? N'oublie pas d'enlever tes bottes. OK, qu'est-ce qu'il va nous mimer, lui? Coupe! Ah, c'est bon. T'es gaucher? Es-tu gaucher, Noah? Non. Oui! Pour couper, t'es gaucher. OK. Maintenant, Mathis, qu'est-ce que tu vas nous apporter? T'enlèves tes bottes. Lance. C'est bon. OK. C'est correct. Maintenant, Sarah Maud, qu'est-ce que tu vas nous apporter, toi? Mange. Ouais. OK, mange, c'est bien. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire, ça? Léo? Tu vas nous mimer d'autres choses. Arrête! Ah, tu as changé d'idée? Il peut changer d'idée. Qu'est-ce que tu vas aller nous chercher? Ah! Et là, qu'est-ce qu'il nous faut? Oups, on va le mettre dans l'autre sens pour qu'il soit tout écrit de... OK, c'est bon. Ça, c'est tout tourné dans le même sens. OK, Noah, qu'est-ce que tu nous apportes? Ah! Qu'est-ce que tu vas faire pour nous, Léo, pour ne pas oublier d'enlever tes bottes? Noah. Noah, excuse-moi. Ouf, il faut faire attention. OK. Ah, c'est bon. Danse. OK. Là, c'est Mathis. Nage. C'est bon. Tu as l'air d'être un bon nageur, de Mathis. Bon. Qu'est-ce que tu vas nous apporter, toi? Une boîte. Ouh, une boîte. OK. Oups, ça part au vent. Oups. Ah. OK. Et maintenant, Léo, qu'est-ce que tu vas faire?
arrivé. C'est tout fini, toi. Ok. Oh, cool! Ah, c'est bon. Ok. Et puis là, il te reste une dernière chose, toi. Oups. Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Sur le bon tapis. Ok. Là, on va raconter l'histoire de ce qui est arrivé. Puis ensuite, on va aller tout mélanger les petits papiers puis voir où on les met. Alors là, c'est vraiment spécial ce qui est arrivé. On a un tapis rempli, rempli, rempli d'objets. Qui a apporté le sac à linge? Léo, le chat de bois. Moi. Ah, ça rajoute monde. Puis la branche. Moi. Ah, Léo encore. Puis l'herbe. Moi. Mathiste. Puis la boîte. Moi. Ouais. Puis les feuilles. Le Noah. Puis la commode. Moi. Oui. Ah, regarde, c'est vraiment bizarre. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le tapis. Mais où est l'ange? Où est Rome? On ne peut pas mettre parce que c'est pas un objet, c'est juste un. Ah, puis c'est quoi la différence entre ces deux sortes de mots-là? Alors, on va demander à Léo pour voir s'il peut nous expliquer. C'est quoi? Là, il fallait toucher, puis là, il fallait montrer. Puis bouger, hein? Puis Noah, peux-tu nous expliquer un peu plus? C'est quoi la différence entre ces deux tapis-là? Peux-tu m'en dire même plus que ça, Mathis? Un nom, tu peux passer un adjectif ou un déterminant devant. Wow! Ça peut être un nom propre pour les villes, pour les prénoms et les monuments, etc. Et on peut les compter. Mm-hmm. On peut les, comme nous, on a dit, les toucher aussi. Mm-hmm. Et tandis qu'un verbe, si l'action de quelque chose, tu peux conjuguer. C'est il y a plusieurs temps, comme l'impératif, le présent, le parfait, le conditionnel, c'est l'action. Mm-hmm. N'importe quoi, tu peux être résumé par la bouche. Ok, alors là, ce que je vais faire, on est en train de perdre nos papiers, on va tous les mélanger, puis là, je vais donner des papiers à chaque personne selon leur âge. Alors, je vais donner deux papiers à Léo, un comme ça, puis un comme ça. Puis, je vais donner plus de papiers aux autres, tout mélanger. Oui, j'ai mis avec les autres, je ne fais pas nécessairement autant attention. À vous autres. Puis là, on va venir, tu peux venir plus proche là, pour filmer ça. Oui, c'est moi, j'ai rien de moi. Oui, c'est correct.
Là, ce qu'on va faire, c'est que venez voir ici à la table. Puis nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre tous les noms, les choses stables comme les pyramides ici en ligne. On va enlever ton chapeau juste. Puis tout ce qui bouge, on va le mettre ici. Et on va essayer de les placer. Puis voir. Hey, on les a. Oups, il y en manque. OK. Alors. Il y a. Ben, qu'est-ce que. Non, tu peux le dire, Léo? Il y en a plus ici, puis il y en a moins là. Peut-être que. On avait essayé de. Peut-être. De, je voulais pas que ça soit exactement égal pour voir si les gens avaient bien compris. Alors, tout ici, on a des mots d'action. Des actions. Des verbes, mais des mots d'action. Parce qu'il y a d'autres sortes de verbes, mais là, on fait les verbes d'action. Puis ici, on a les noms. OK? Puis comme toi, tu viens de dire, c'est vraiment intéressant, Mathis, les noms peuvent avoir des déterminants, puis peuvent avoir des noms, des adjectifs aussi. Alors, on peut arrêter de filmer, c'est bon.